et qui va aussi faire le montage. Ça va? Et donc, Patrick, il est là aujourd'hui aussi pour nous aider à construire cette capsule. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, j'ai mis dernière ligne droite, no stress, cool. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière rencontre. Donc, les étudiants vont nous lire leur petit coup de gueule, coup de griffe. Puis après, vous travaillez ensemble. Donc, à vous de voir, on va travailler avec vous. Je partage ma vie, les jours de soleil comme les jours de pluie. Je me souviens de notre rencontre comme si c'était hier. C'était un soir d'avril et tu es apparu comme une éclaircie qui nous emmène dans un tourbillon de sentiments, dans une tornade d'émotions. Elle s'envole avec le... avec le tracas qui disparaît sans grave esmeralda. Une joie immense traverse tout mon être. Les couleurs scintillent comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Paris s'éveille sous un nuage de haine. Un jour sombre pour la communauté homosexuelle. Une manifestation contre le mal. Son mari à 14 ans et a fêté ses 57 ans de mariage en février. Jeune fille très sympathique qui rêve d'avoir une maison, un mari, des enfants, pas trop d'enfants tout de même. Maureen, tu me racontes la première fois que tu as rencontré. Mais alors, mitraillonne. Ah oui, tu ne trouvais pas. Christiane, je suis aujourd'hui en compagnie de Bertrand et Céline pour vous parler de l'homosexualité. Je me souviens quand mon fils nous a annoncé à moi et à mon mari qu'il était homosexuel. Nous ne nous y attendions pas du tout.
mais ça a fini par une bonne conversation à trois. J'aime mon fils tel qu'il est. Pour moi, mon souvenir, c'est les fiançailles de mon meilleur ami homosexuel. Quelle joie hein, de le voir comme ça, heureux et de s'assumer. Je suis heureuse de voir ce qu'il est devenu et... Merci beaucoup, c'est super d'être venu comme ça. C'était un petit blanc le temps de changer au feu, une façon chipotra ça. Ouais, c'est le soit ou off. Ouais, mieux cette personne. Ça fait comme ça. Bah, dès que je vais changer une feuille, faites un petit blanc, comme ça. Okay. Tandis que maintenant, on pense que c'est parti. C'est un peu plus simple. Et Anthony, c'est quoi? A-N-T-O-N. T'as dit quoi? On dit n'importe quoi. J'ai jamais fait ça, moi. On met la toute première fois. Ah, mais marge, il faut. La toute première fois, ben, les temps, donc elle est vraiment concernée. C'est ça. Alors, je vais vous lire mon coup de cœur. À celle qui arrive à gérer ses horaires telle une horloge. Matin, midi et nuit, même si c'est dur, elle enfile sa blouse sans coup de blouse. Ce que dit Amélie est plus que vrai. Dans le contexte actuel, les horaires des 3-8 sont très difficiles à concilier avec une vie de famille. Hein, ménage, enfant, c'est très difficile. Et c'était déjà comme ça il y a 50 ans passé. Ça a toujours été comme ça. Le métier d'infirmière, ce n'est pas un métier. Facebook a été fondé le 3 décembre 2004 par l'Américain Mark Zuckerberg. À l'origine, il était réservé aux étudiants de l'Université de Harvard. Il est accessible à tous depuis le mois de septembre 2006, c'est pas tellement longtemps. Et Facebook doit son nom à l'album photo que l'on connaît chez nous aussi, hein, qui regroupe les photos des visages des étudiants au début de leur année universitaire. Voilà. Je connais encore bien Jean-Denis.